Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici ou connecté en Zoom. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de pouvoir accueillir Michel Spiro parmi nous. Il va nous parler de l'histoire des astroparticules. Donc, je me suis renseignée pour ceux qui connaissent toute sa carrière. Je vais vous lire quelques notes et j'ai un collègue ici qui m'a donné pas mal de billes ce matin. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il m'a raconté. Donc, Michel, vous êtes un ancien élève de l'école polytechnique. Il m'était souligné que personne n'est parfaite. Donc, voilà. Et vous avez commencé votre carrière en 1976 au CERN, dans l'expérience UA1, où vous avez participé à l'observation de la première fois du boson W, chose qui a remarqué les panoramas de la physique des particules. Vous êtes rentré au COA en 69, après un passage sur les barricades en 68. Ça, je ne savais pas, même pas qu'est-ce que ça voulait dire. En français, il m'était expliqué. Et voilà, je vous ai dit ça. Après, vous avez organisé, démarré toute l'activité d'astroparticules au COA. Donc, vous avez lancé la ligne astroparticules au DPHPE à l'époque. Et maintenant, du coup, c'est grâce à vous, je pense que moi, j'étais embauchée sur Edelweiss parce que du coup, les astroparticules ont pris aussi leur place au département, au COA. Et vous avez dirigé Galex et Eros, du coup, sur l'autre type de physique. Vous avez occupé les postes de chef de service de physique des particules entre 1991 et 1999. Et après, en 2003, vous avez été nommé directeur de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules. Et vous avez quitté cette fonction en 2010 pour devenir président du conseil du CERN lors du mariage du LHC. Donc, je pense que même l'LHC doit beaucoup de choses à Michel. Et après, vous avez été directeur des recherches émérites, toujours au COA. Et si on revient du coup à la SFP, Michel a été président de la division physique des particules et aussi son président en 2016 et en 2017. Et c'est aussi grâce à vous que je suis rentrée dans la section locale de la SFP. Et récemment, vous avez été élu président désigné de la UPAP et pour lequel vous êtes devenu son président en 2019. En juin 2020, vous êtes devenu président du conseil de la fondation CERN et Société. Je trouve que c'est très bien. C'est une fondation qui diffuse les connaissances et les savoir-faire du CERN au profit de la société avec des activités d'éducation et sensibilisation pour les non-physiciens. Vous avez reçu de nombreux prix, dont deux à la CFP, et vous êtes aussi officier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre national des mérites. Voilà, du coup, tout ce que Michel a fait dans sa longue carrière. Donc, c'est pour cela qu'on a vraiment l'honneur que vous êtes là pour nous parler de l'histoire des astroparticules, sur tout ce qui a été fait, surtout en France. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Merci Claudia pour ces mots chaleureux. Bon, je ne vais pas revenir sur certaines choses, mais... je suis là. Merci aussi de m'avoir invité pour cette conférence sur l'histoire des astroparticules. J'ai accepté, il y a eu pas mal de discussions, c'est Claudia qui m'a sollicité. J'ai mis un certain temps pour accepter parce que c'est quand même pas très facile. C'est un domaine qui est d'une part assez émietté. Et parler de l'histoire des astroparticules, il n'y a pas de livre vraiment là-dessus. Surtout sur la contribution française, il n'y a rien du tout. Probablement, il faut écrire quelque chose et se replonger dans des souvenirs des années 80, dans une certaine mesure, j'ai comme beaucoup, j'ai une mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien. Mais je vais faire de mon mieux. Donc je vais vous parler pas de toutes les astroparticules, mais de la partie multimessager, donc on pourrait appeler astronomie multimessager, basse énergie et haute énergie, mais surtout haute énergie. Le passé est un petit peu présent avec une petite vue sur le futur. Et puis, bien sûr, j'essaierai de porter la lumière sur les contributions françaises. Donc, voilà, là, ça va être plus fort. Donc, vous voyez un peu ce qu'on entend par astroparticules, c'est l'intersection entre la physique des particules, l'astrophysique et la physique nucléaire. Plus précisément, il y a trois grands domaines. Il y a ce qui est connecté à la cosmologie, ce qu'on appellerait la cosmologie observationnelle, qui inclut la nucléosynthèse primordiale, le rayonnement fossile diffus,
aussi la mesure des paramètres cosmologiques, soit par les supernovae, soit par les regroupements de galaxies, ce qu'on appelle le BAO. Et point aussi très important, la recherche de la matière noire, bon, l'énergie noire aussi bien sûr, mais surtout la matière noire qui est un pan important, recherche directe à laquelle participe Claudia, mais dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Moi, je parlerai pour la matière noire que de la partie indirecte, celle qui est connectée à l'astrophysique des hautes énergies, à savoir l'annihilation des particules de matière noire dans l'univers, en particules de haute énergie, qui nous arrivent dessus. Les pionniers pour la matière noire, ce sont Zwicky et Vera Rubin, qui étaient présents sur l'affiche qui décrivait la conférence. Le deuxième pan est associé à la physique des neutrinos. Donc en noir, c'est ce que je ne vais pas couvrir. Donc je ne parlerai pas des paramètres des neutrinos, du proton decay, ou très peu, de la cosmologie neutrino. En ce qui concerne l'évolution des étoiles et des neutrinos, je ne parlerai que des neutrinos solaires et de la supernova qui a été détectée en neutrinos pour la première fois et la seule fois en 1987. Donc, comme je l'ai dit, je ne parlerai pas trop de ce qu'on appellerait la physique des particules sans accélérateur, comme la désintégration du proton ou la physique des neutrinos. Et donc, le troisième volet, par contre, celui-là, je le couvrirai, l'astrophysique des hautes énergies avec les neutrinos de haute énergie, les gammas de haute énergie, les rayons cosmiques d'énergie et les ondes gravitationnelles couplées à l'astronomie infrarouge et aux rayons X. Je relirai un petit peu les observations de coalescence de trous noirs des ondes gravitationnelles à la recherche de la matière noire pour savoir aussi si la matière noire ne pourrait pas être faite de trous noirs. Et je vous montrerai que ceci est exclu par une expérience à laquelle j'ai participé. Bien sûr, pour le passé, il n'y a rien, il faut simplement le raconter. Le présent, c'est déjà un peu plus délicat. Et bien sûr, le futur, c'est encore plus hypothétique. Donc, l'astronomie des multimessagers, comme je l'ai dit, c'est l'intersection qu'on espère entre l'astronomie gamma de haute énergie, l'astronomie des rayons cosmiques chargés, comme les protons, les noyaux de haute énergie, les neutrinos, les ondes gravitationnelles. Donc, il y a beaucoup de messagers de l'univers en allant depuis les basses énergies aux hautes énergies. Donc, basse énergie, c'est la cosmologie avec le rayonnement radio, le rayonnement fossile à 2,7 degrés, donc 10-4 EV. L'infrarouge et l'optique sont ici, hein, dans une énergie en électronvolts, les rayons X sont ici. Ce qu'on appelle les gamma-rays donc s'étendent aux énergies à partir des MEV jusqu'aux TEV. Et à partir des TEV, ils commencent à être exclus, vous voyez ici en noir, parce que les photons de puces d'énergie plus grandes que quelques TEV, quelques dizaines de TEV, viennent cogner contre le rayonnement diffus radio, infrarouge ou radio micro-ondes qui constitue le rayonnement diffus du fond du ciel, ou bien contre le rayonnement infrarouge ou le rayonnement UV qui vient des étoiles. Et par des réactions photon-photon donnent et plus et moins, les photons d'énergie plus grande qu'une dizaine de TeV commencent à perdre leur énergie en interagissant avec le rayonnement diffus qui existe de très basse énergie qui existe dans l'univers. Les neutrinos peuvent aller plus haut en énergie et les rayons cosmiques peuvent aller jusqu'à 10 puissance 20 électronvolts. Mais à 10 puissance 20 électrovolts, il leur arrive la même histoire que pour les photons. Ils interagissent avec le fond diffus à 3 degrés, le fond diffus du rayonnement fossile, et pour fabriquer des pions, des pi plus ou des pi moins, qui d'ailleurs peuvent donner des neutrinos qu'on retrouve à très haute énergie. Pour ce qui est donc des rayons chargés ou bien des gammas, le mécanisme principal, c'est qu'ils arrivent sur l'atmosphère et ils se fracassent en faisant des gerbes. Alors pour les protons, ça fait des gerbes très larges qui sont collectées au sol. Pour les photons, ils font des gerbes électromagnétiques et plus et moins qui sont plus collimatées, mais qu'on détecte aussi au sol, ou bien qu'on détecte en haut des montagnes, ou bien dans des ballons, ou bien dans l'espace. Pour les neutrinos, on regarde plutôt les neutrinos qui remontent
depuis l'intérieur de la Terre vers nous, c'est-à-dire qui traversent la Terre, interagissent dans la roche ou bien au fond des océans, et on se place au fond des océans ou bien au fond de la glace pour voir des gerbes qui montent cette fois-ci et qui ont été créées dans la Terre et qui remontent à la surface de la Terre à travers les océans ou à travers la glace de l'Antarctique. Encore une fois, les mesures de gamma-ray montrent bien déjà maintenant que le fond diffus atteint une limite vers le TEV, et donc cette limite est probablement due à l'interaction des rayons gamma avec le fond diffus, soit d'infrarouge ou d'UV de restes d'étoiles, ou bien du fond diffus cosmologique. Pour les neutrinos, ce qui a été observé, donc c'est cette bande-là avec Ice Cube en particulier, c'est la plus grande précision, donc l'expérience qui est dans l'Antarctique et qui permet de monter jusqu'à environ un TeV. La partie récente permet d'aller vers le PeV et de voir une petite déviation par rapport à la courbe qui est ici. Cette courbe est liée à l'interaction des neutrinos avec la Terre et qui, comme je l'ai dit, qui remonte dans l'eau des océans ou bien dans la glace, en l'occurrence pour Ice Cube. Ice Cube va augmenter sa taille dans 10 ans et devrait pouvoir aller plus loin et voir ce qui est connecté à la production des neutrinos par la coupure des protons d'extrême énergie qui interagissent avec le fond diffus à 3 degrés. Ça, c'est le spectre des protons, des rayons cosmiques vus par OG et par le télescope Array. On voit clairement la coupure, qui est la coupure cosmologique, qu'on appelle la coupure GZK, Grayson, Zadzepin et Kouchnine, qui sont les trois physiciens russes qui ont prédit que les protons allaient interagir avec le rayonnement fossile. Et proton gamma donne des pions. Et ces pions donnent des neutrinos qui, normalement, devraient apparaître lorsqu'on aura suffisamment de sensibilité. Pour l'instant, on s'arrête ici à la bande en gris. Ils devraient apparaître comme un pic au-delà de l'extrapolation des neutrinos observés. Pour l'instant, ils n'ont pas encore été vus, même si on a vu des neutrinos qui ont l'air de dévier de cette courbe-là et qui semble probablement d'être d'origine extraterrestre. La plupart de ces neutrinos sont des neutrinos atmosphériques, c'est l'extrapolation des neutrinos atmosphériques, et on s'attend actuellement, on pense qu'on commence à voir des neutrinos qui sont des neutrinos pas produits dans les gerbes de protons qui viennent du bas de la Terre et qui remontent, mais qui sont dus à des sources extraterrestres. Donc les motivations pour tout ça, c'est de mesurer le spectre, hein, je viens de le montrer, de mesurer la composition, l'origine des rayons cosmiques, ça peut être des supernovae, des hypernovae, c'est-à-dire des étoiles qui se transforment en trous noirs, des noyaux actifs de galaxies, donc des trous noirs gigantesques, des coalescences de trous noirs, comme on les a vus avec les ondes gravitationnelles, apprendre sur les mécanismes d'accélération dans l'univers. On voit des grands jets dans l'univers, on pense que c'est la source de mécanismes d'accélération. Se servir aussi de la détection de gamma de haute énergie ou bien de neutrinos de haute énergie pour voir si ce n'est pas la désintégration due à la désintégration de particules de matière noire très, très massive qui se serait accumulée au centre du Soleil ou au centre de la Terre ou bien dans le rayonnement diffus. Tout ceci a commencé dans les années 80. À travers des très grands détecteurs, et ces très grands détecteurs ont été construits au début pour la recherche de la désintégration possible du proton, en construisant des très grands détecteurs à eau notamment, et puis ensuite avec de différents matériaux, du béton ou bien du fer. Également, ça a démarré aussi dans les années 80 avec la recherche des rayons gamma de très haute énergie, aussi avec l'énigme qui était liée à un déficit de neutrinos solaires. On s'attendait à ce que le Soleil émette 60 milliards de neutrinos par centimètre carré par seconde. C'est directement lié à la fusion de l'hydrogène en hélium, et on en observait moins. Et puis aussi, au tout début, on n'observait pas la coupure que j'ai montrée de GZK à très haute énergie. On se demandait qu'est-ce qui se passait à très haute énergie. Donc, les premières expériences de désintégration du proton, d'abord, ça a été des grands détecteurs à eau,
aux États-Unis avec Larry Sulak, que certains connaissent, puisqu'il est venu dans pas mal de laboratoires français, avec Kamio Kande au Japon, avec Koshiba, qui a eu le prix Nobel, donc qui a démarré vers les années 83. Et tous ces détecteurs avaient des bonnes capacités pour détecter les muons qui les traversaient, les muons cosmiques qui les traversaient, et aussi les neutrinos qui pouvaient interagir dedans ou juste à côté, en donnant des signaux très caractéristiques. Si on voyait un muon qui remonte le détecteur et qui ne vient pas de l'atmosphère qui est au-dessus, on savait qu'il était produit par des neutrinos. En France, on s'est lancé aussi dans la durée de vie du proton avec le laboratoire souterrain de Modane en 1983, notamment avec Rousset, Barluto, Serge Julian ont joué un rôle très important. En 85, il y a eu un coup de tonnerre. Il y a eu plusieurs coups de tonnerre en 85. D'abord, à travers Trevor Wicks et l'expérience de désintégration du proton qui s'appelait Soudan 1 aux États-Unis. Soudan 1 qui cherchait la désintégration du proton avec un détecteur un peu voisin de celui du Fréjus, c'est-à-dire composé de béton et de sandwichs de béton et de détecteurs de particules, voyait des muons et il semblait qu'il y ait un excès de muons qui provenait d'un pulsar qui s'appelle Sinus X3, de très haute énergie. C'était assez étonnant parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'on puisse voir des muons qui arrivent d'un objet céleste et qui traversent l'atmosphère et descendent dans le détecteur de protons. En même temps, les premiers détecteurs de gamma semblaient voir aussi une source dans le TEV aux alentours provenant de Sinus X3 ayant la même pulsation que le pulsar Sinus X3. Tout ceci s'est révélé faux à la fin. Gabriel Chardin l'avait bien anticipé. Ça a été une contribution qui lui est attribuée. Mais bien sûr, beaucoup d'expériences se sont mises en place pour vérifier si c'était vrai ou pas. Ça a permis de faire des détecteurs plus grands et faire un tas de découvertes, dont notamment celle de la nébuleuse du crabe, qui, elle, émet effectivement des rayons gamma dans le domaine du TEV. Donc, on voit bien que ces découvertes, souvent, sont des découvertes qui peuvent être initiées par des résultats qui posent des défis. Mais le hasard fait qu'on trouve autre chose que ce qu'on cherchait. Et donc la nébuleuse du crabe est restée comme la source de référence dans le domaine des TEV pour l'astronomie gamma. Donc ça, c'était le premier volet, durée de vie du proton, donc les expériences de durée de vie du proton avec l'astronomie muon et puis la détection de gamma d'haute énergie et le démarrage de l'astronomie gamma. Et en même temps de l'astronomie neutrino, parce que les détecteurs de protons allaient servir pour l'astronomie neutrino. Dans les mêmes années, dans les années 80, le déficit d'observation des neutrinos solaires était une grosse énigme, une grande énigme, initiée par Ray Davis aux États-Unis dans la mine de Homestake avec 600 tonnes de tétrachloréthylène. Le principe était de détecter la transformation d'atomes de chlore en atomes d'argon radioactif qu'on détectait ensuite avec des détecteurs GIGER. On mesurait le nombre d'atomes et ce nombre d'atomes qui était attendu être de l'ordre de 1 par jour s'est révélé 3 fois plus petit que ce qui était attendu. Le seuil de cette expérience, toutefois, pour la réaction neutrino-chlore donne de l'argon 37. Était assez haut, c'est-à-dire qu'il était sensible qu'à une partie, essentiellement le beryllium 7 et le bore 8 produits par les interactions thermonucléaires dans le Soleil. Donc une fraction toute petite qui représente qu'un dix millième des réactions qui émettent des neutrinos, mais des neutrinos de beaucoup plus basse énergie. Donc c'est l'expérience Homestake. Ça a été d'ailleurs la raison pour laquelle on a fait une expérience aussi radiochimique, Galex, qui avait un seuil, par contre, déjà dans la réaction, pour la réaction proton-proton émettant des neutrinos. L'expérience Kamio-Kande et Super-Kamio-Kande vont avoir un seuil encore plus grand, sensible uniquement aux neutrinos du bore 8, alors que Homestake était sensible aux neutrinos du beryllium 7 et aux neutrinos du bore 8.
Le résultat de Homestake, qui restait toujours vrai, celui-là, c'est qu'il y avait un déficit d'un facteur 3. Donc, on attendait en unité de neutrinos solaires, ce qu'on appelle les SNU, on attendait un chiffre qui valait 8, c'est-à-dire un atome par jour, et on n'en voyait qu'un atome d'argon 37 tous les 3 jours. Évidemment, comme c'est une expérience radiochimique, on se posait la question d'abord si le signal vient bien des neutrinos solaires, du Soleil. Est-ce que le détecteur est vraiment efficace? Est-ce que ce manque de détection n'est pas dû à l'inefficacité du détecteur? Est-ce que le désaccord n'est pas dû à la modélisation du Soleil? Effectivement, il y avait comme c'était la queue de haute énergie du spectre des neutrinos solaires, il y avait des désaccords entre les prédictions de John Bacall, qui était le pape de la modélisation des neutrinos solaires, et Sylvain Turchès, que beaucoup connaissent, qui, elle, prédisait un flux plus élevé, pas vraiment aussi élevé que ça, mais deux fois plus élevé que celui de John Bacall. Donc, l'expérience Galex a utilisé cette fois-ci du gallium, et le principe, c'était qu'un neutrino interagissait sur le gallium-71 pour donner du germanium-71, et le germanium-71 était détecté à travers sa désintégration radioactive dans des compteurs GGR. Il était extrait de la solution qui était du trichlorure de gallium. Là, on attendait 129 SNU, un atome par jour de nouveau, et on en a vu. Alors, l'expérience était une collaboration italienne, allemande et française. En France, il y avait notamment Michel Cribier, Jim Rich, que pas mal connaissent, Daniel Vigneault et moi-même. Donc, le principe un peu similaire à celui de l'expérience de Ray Davis, c'était une solution donc, de trichlorure de gallium. Le germanium se combine au chlore pour donner du GeCl4 très volatile, un peu comme le larcon l'était très volatile dans le tétrachloréthylène. Et en faisant buller de l'azote ou de l'hélium, on extrait ce germanium Cl4 et on le met dans des compteurs. On le transforme en GeH4 et ça fait un excellent compteur proportionnel qui permet de détecter la désintégration du germanium de 71. On expose le récipient pendant un mois, un peu comme pour Ray Davis, et on extrait à ce moment-là et on compte pendant 6 mois. Et là encore, on a eu un déficit. On attendait 129 SNU, donc c'était quelque chose qui est à ce niveau-là. Et ce qui a été détecté, c'est plutôt 70. Donc ça, c'est l'expérience Galex. Les Russes avaient une expérience aussi similaire qui a donné le même résultat. Et on a pu répondre à la question si c'était notre détecteur qui était inefficace ou pas, en construisant une source de 1 mégacurie de chromium 51 qui a été faite à Saclay d'abord et emmenée à Siloé, le réacteur à Grenoble, pour être irradié. Enfin, on part du chrome 50 et on fabrique du chrome 51 qui se désintègre en donnant des neutrinos, une capture électronique, des électrons qui font 175 keV, donc typiquement et 500 keV, le domaine qui nous intéresse. Et on a trouvé un résultat qui est proche de l'unité. Ce qu'on a mesuré, c'était 0,90, plus ou moins 0,08. À 1 sigma, on était un peu en dessous, ce qui ensuite a donné des discussions sur la signification du fait qu'on était légèrement en dessous. L'interprétation, finalement, elle a été faite à travers les oscillations neutrinos et on a pu montrer que c'était les oscillations neutrinos qui étaient la réponse à ce déficit des neutrinos solaires. Et on a eu la chance de pouvoir faire un papier sur la compréhension du mécanisme d'oscillation, qui est un mécanisme qui est d'oscillation boosté par les interactions dans la Terre et dans le Soleil. Donc, c'est ce qu'on appelle les matter effects, les effets de matière sur les neutrinos solaires. Et ce papier qui a été donc écrit avec Jim, Daniel Vigneault, Jacques Bouchèze, malheureusement décédé maintenant, et Michel Cribier, nous a valu d'avoir une correspondance historique avec Hans Bethe, qu'on a gardé, c'est Jim qui l'a conservé, et avec Albert Messier aussi. C'est un phénomène de pure mécanique quantique qui est très intéressant. C'est des transitions soit adiabatiques, soit forcées par la matière.
Donc ça, c'est l'astronomie des neutrinos de basse énergie, neutrinos solaires, avec des méthodes radiochimiques. Maintenant, si on passe à des méthodes de plus haute énergie, elles vont utiliser l'effet de Cherenkov dans l'eau, ou bien la scintillation. À l'origine, c'est Markov, un physicien russe, qui a proposé de détecter la lumière Cherenkov des particules dans les océans, dans l'eau ou dans les lacs. Et c'est Fred Reines qui a proposé et qui l'a fait de détecter les neutrinos avec des scintillateurs liquides. Le détecteur donc de déréduit du proton qui était basé sur l'eau, sur la lumière Cherenkov pour la désintégration du proton, a pu lui aussi mesurer des interactions de neutrinos, notamment de neutrinos solaires, interagissant sur les électrons et donnant un électron qui est boosté par la collision avec un neutrino. Cet électron, qui a plusieurs MeV, va faire de l'effet de Cherenkov qui va pouvoir être détecté sur les parois du cube où sont placés les photomultiplicateurs. La première détection de neutrinos extraterrestres qui a été faite par Kamio Kande, qui a démarré en 1987. Ils ont eu une chance incroyable, c'est que peu de temps après le démarrage, on a eu la détection de la supernovae 1987 dans le nuage de Magellan. Là, vous avez les muons qui traversent le détecteur en fonction du temps, le temps est en secondes, et donc qui déposent un petit peu d'énergie. Et puis, d'un seul coup, vous avez un grand nombre d'événements qui arrivent en l'espace de moins de 10 secondes. Et ces événements sont des événements contenus dont l'interaction a lieu dans le détecteur et qui semblent être des neutrinos de basse énergie qui donnent un signal de quelques MeV sur la surface des détecteurs. Alors, lorsque ce sont des neutrinos E qui interagissent, l'électron pointe vers le Soleil. Lorsque c'est des antineutrinos qui interagissent sur un proton, ils vont fabriquer un positron et un neutron. Le positron va dans n'importe quelle direction. Par contre, comme je l'ai dit, lorsque c'est une collision élastique, l'électron pointe vers le Soleil, mais pas les antineutrinos. Et voilà ce qui a été observé donc, en l'espace de quelques secondes, la direction par rapport au nuage de Magellan, par rapport à SN 1987, qui avait été vu en lumière visible, hein, on la voyait à l'œil nu. Hein. On voit un petit paquet de neutrinos E qui pointent vers la supernovae, et puis le reste qui est un mélange de neutrinos E ou bien de neutrinos mu ou de neutrinos tau qui est isotrope, mais qui arrive exactement dans la petite fenêtre en temps de quelques secondes. Et ceux-là, les neutrinos E, sont probablement dus à la capture électronique des protons plus électrons qui donnent neutrons plus neutrinos, c'est-à-dire c'est la transformation de l'étoile en étoile à neutrons. Et après, comme elle s'échauffe très fortement, il y a, par la température, il y a une émission équiprobable de toutes les espèces de neutrinos et d'antineutrinos. Et donc, ça a été une confirmation de SN 1987, donc la première fois qu'on voit un objet dans le ciel en neutrinos, par la coïncidence en temps et aussi par la direction. Pour les neutrinos solaires, le seuil était donc assez haut, à 9 MeV, hein, j'ai bien dit que c'était des neutrinos du bord 8. Également, on regarde la distribution des neutrinos des électrons au-delà de 9 MeV et on voit qu'ils pointent vers le Soleil. Toutefois, il y en a moins que ce qui est attendu, deux fois moins que ce qui est attendu. Mais on a bien, donc ça c'est avec un peu plus d'événements, on a bien un pic vers la direction du Soleil, donc on a bien la naissance de l'astronomie neutrino avec le Soleil qui est vu en neutrino. Depuis, on est allé à beaucoup plus haute énergie et on a installé des détecteurs à eau au fond des mers ou bien au fond de la glace. Donc Antares est au fond de la Méditerranée, c'est Jean-Jacques Aubert qui a été l'initiateur de cette expérience au fond de la Méditerranée au large de Toulon. Les Russes ont mis au fond du lac Baïkal et les Américains ont mis au fond de l'Antarctique, dans la glace, des photomultiplicateurs qui regardent vers le bas pour voir des neutrinos qui remontent, des gerbes induites par des interactions de neutrinos qui remontent dans le détecteur. Depuis, maintenant, on a des détecteurs beaucoup plus gros. On vise le kilomètre cube en Méditerranée. Le Baïkal aussi vise un très grand détecteur. Et IceCube vise un détecteur aussi 10 fois plus grand.
C'est Ice Cube qui est quand même est le pionnier. C'est lui qui est allé le plus loin avec la glace, parce que là, c'est beaucoup plus facile de déployer des photomultiplicateurs au fond de la glace qu'au fond des océans. C'est paradoxal, mais c'est vrai. Hein, vous chauffez devant et vous enfoncez le photomultiplicateur, alors qu'avec des bateaux pour mettre les photomultiplicateurs au fond de l'océan, c'est extrêmement compliqué. Voilà les derniers résultats d'Ice Cube. Vous pouvez voir qu'il y a un spectre qui est mesuré. Donc ça, c'est ce qui est attendu par les neutrinos qui viennent des gerbes atmosphériques. Donc il y a des particules chargées qui interagissent dans l'atmosphère, qui font des pions et des neutrinos en cascade. Donc ça, c'est le bruit de fond, si je peux dire, de rayons cosmiques qui tapent dans l'atmosphère et qui font des neutrinos. Et au-dessus, vous voyez, vers le TEV, il y a un excès dont on pense que c'est dû peut-être à un fond extraterrestre, donc de neutrinos, une astronomie neutrino qui arrive directement de l'univers et qui vient d'interagir en dessous du détecteur. Voilà, on a même des événements au PEV, c'est-à-dire péta-électron-volt. Il semblerait même que certains soient en coïncidence avec des flares gamma. Et donc, on a peut-être maintenant identifié une ou deux sources de neutrinos de très haute énergie liées à un rayonnement gamma et liées à des blazars, donc, c'est-à-dire à des quasars, des grands trous noirs avec des jets qui pointent vers la Terre. Donc, KM3Net est en train de grossir. Les Français mettent le paquet sur une partie très dense à Toulon, qui permettrait de faire de la physique des neutrinos, notamment de mesurer la hiérarchie de masse entre le neutrino E, le neutrino mu, le neutrino tau. Et les Italiens, au large de la Sicile, font un détecteur beaucoup plus moins dense pour essayer, avec une très bonne résolution, meilleure que Ice Cube, de voir des sources ponctuelles de neutrinos de très haute énergie. Donc, l'astronomie des hautes énergies des neutrinos, maintenant, va son plein. On attend beaucoup de découvertes. Celle des neutrinos solaires a connu son heure de gloire, hein, puisque au-delà de Kamiokande, il y a eu une expérience avec de l'eau lourde qui a apporté beaucoup, avec du scintillateur liquide. Il y en a eu deux. Et pratiquement maintenant, la mesure du spectre des neutrinos solaires est bien faite. Et l'explication du spectre par les oscillations neutrinos est bien acquise. On attend toujours la prochaine supernova de neutrinos. Là, on aura beaucoup plus de données. Et puis, donc l'astronomie des très hautes énergies en neutrinos semble pointer son bout de nez. Pour les gammas, donc, c'est Chudakov, qui est très connu, paraît-il, en physique des particules aussi, qui a été le premier à imaginer de chercher les gamma ray showers dans l'atmosphère. On voit petit à petit, on redécouvre les Russes à l'origine de tout ça. On les a totalement ignorés. C'est que maintenant qu'on les met dans le circuit. J'espère qu'on ne va pas découvrir que les Chinois aussi ont fait plein de découvertes qu'on a ignorées, j'en sais rien. Ça a été la superbe occidentale par rapport à l'URSS à un certain temps. Donc, comme j'avais déjà dit, Trevor Wicks a été quand même un pionnier, même s'il y a eu une erreur avec Sinus X3. Il a été un pionnier, il a découvert la nébulase du crabe et il a initié l'imagerie avec des paraboles très larges et multi-PM au foyer pour voir la forme de la gerbe électromagnétique dans l'atmosphère. En France, on a eu une initiative totalement originale qui était de partir d'un atout, hein, qui était le site Thémis, dont on parle encore dans la presse récemment. Le site Thémis, qui est un site de EDF, vous voyez tous les héliostats. Et dans les années 80, ce site était arrêté par EDF, parce qu'à l'époque, l'énergie solaire n'avait pas la cote. Maintenant, il reprend. Ça a été à l'initiative de l'IN2P3, notamment aussi du CEA Philippe Goret, et à l'IN2P3, Gérard Fontaine, Bernard Desgranges, Éric Paré, Patrick Fleury, Marcel Urban, j'en oublie certainement certains, qui se sont emparés de ce site pour faire trois types complémentaires d'expériences. D'abord, Thémistocle, qui était d'utiliser des héliostats, qui étaient des héliostats plats, hein, qui envoyaient la lumière au foyer, le foyer était là-haut. Tous les héliostats convergeaient vers là-haut pour faire de recueillir l'énergie solaire et faire de l'électricité. Donc, c'est à côté de Font-Romeu, Targasson, je crois, comme ça. Et donc,
Il y avait deux manières. Il y a été donc réutiliser certains héliostats pour en faire des paraboles et les mettre un PM au foyer. Donc c'est ce qu'a fait Thémistocle avec, je crois, 18 paraboles dans le champ. Et donc faire de l'astronomie des très hautes énergies, beaucoup plus haut que Whipple, que Trajan Wicks. Donc ça, c'était dans les années 88. Plus tard, Catt a repris ce que faisait Trajan Wicks, mais en le faisant un peu mieux avec Catt, donc une grande parabole, là, je crois, dans cette maison-là, une grande parabole avec tout un système d'imagerie au foyer. Et Céleste, donc ça, c'est Éric Paré, a réutilisé une très grande fraction des héliostats pour faire converger vers le haut de la tour et abaisser le seuil en ayant beaucoup de lumière à vers une cinquantaine de GeV. Donc Thémistocle, les ultra hautes énergies, le TeV, Catt, la centaine de GeV, Céleste, les dizaines de GeV. Et donc ça faisait un ensemble extrêmement compétitif, bon, Gérard Fontaine est là, sur le plan mondial, et très original, qui exploitait toutes les possibilités qu'on pouvait pour détecter les gerbes dans l'atmosphère, avec des gammes d'énergie très, très différentes. Mais ce principe de détection au sol était très, 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 très efficace et couvrait une très, très grande gamme en énergie. Donc je résume ça ici. Thémistocle et Asgat, donc c'est beaucoup de paraboles avec des photomultiplicateurs au foyer. Catt, c'est la technique d'imaging, un grand miroir avec beaucoup de photomultiplicateurs au plan focal pour imager la gerbe et voir la nature de la gerbe. Céleste utilise, je crois, 40 héliostats de l'usine solaire pour focaliser la lumière en haut de la tour et avoir un très bas seuil. On les voit ici dans l'implantation. Donc la troisième génération ensuite de détecteurs au sol va utiliser l'imagerie comme Catt, mais faire plusieurs imageurs en coïncidence pour avoir plus de précision, plus de un seuil plus bas et pour pouvoir mieux pointer. Donc ça va être S, notamment en Namibie. Entre-temps, il va y avoir aussi le satellite Fermi auquel la France a beaucoup contribué. Le satellite Fermi donc, a été lancé, il s'appelle qui s'appelait GLAST au début, va être un satellite qui va être basé sur des cristaux scintillants et un détecteur de silicium au début pour bien détecter les photons, que c'est des photons. C'est basé sur la technique de CMS. Pour ceux qui connaissent CMS, il y a Daniel Denegri. C'est une retombée de la technique CMS en miniature, envoyée dans CMS, c'est un détecteur du LHC au CERN, envoyé dans l'espace et qui a permis de couvrir de 20 MeV à 300 GeV avec une surface pas très grande, bien entendu, mais ça a permis de faire une carte du ciel tout à fait unique. Et comme je l'ai dit, à peu près en même temps, la troisième génération de détecteurs Cherenkov va avoir le lieu. S, donc c'est là où les Français vont contribuer, avec 4 détecteurs en Namibie du type Catt. MAGIC, ça va être un très, très, très grand détecteur, très, très grande surface, je crois 8 mètres, alors que cela faisait que 4 mètres. Et Veritas, c'est aussi une très grande surface. Ça a permis donc de faire une carte du ciel, d'abord fournie par le satellite Fermi, de base, à plus basse énergie, et à trop d'énergie, on a réussi à faire une carte du ciel au TeV. En 89, il y avait une seule source, en 96, 3 sources, en 2005, 80 sources, en 2015, 150 sources. Le satellite Fermi à plus basse énergie a des milliers de sources. Donc on est en train vraiment de faire de la vraie astronomie classique, si on peut dire. On découvre les périodicités, on a la distribution d'énergie, la position, la morphologie, parce qu'on associe ça aux observations dans le visible. Et donc on arrive à faire toute une astronomie des quasars, des supernovae, des restes de supernovae, des trous noirs, etc. Des jets qui sont le mécanisme d'accélération principal. Donc il y a un bel avenir devant et le prochain projet s'appelle CTA. La sensibilité actuelle voit ce qu'on appelle le sommet de l'iceberg et CTA devrait pouvoir rentrer plus profondément à l'intérieur de cet iceberg et en dessous pour voir encore avec plus de précision tous ces phénomènes dans l'univers de très haute énergie. Il est installé au Chili, dans l'Atacama, sur le haut plateau,
Il comprend beaucoup plus de télescopes que S. Donc, certainement, cet EA va ouvrir une nouvelle ère dans l'astronomie gamma. À ma connaissance, Fermi continue toujours à fournir la carte. Donc, c'est l'ensemble des deux sera un très, très bel ensemble. Donc, l'avenir est bien garanti. Et là, c'est sur les rails. Pour les rayons cosmiques de haute énergie, c'est S qui a été le pionnier. Pierre Auger, que tout le monde a entendu parler, a détecté les premières gerbes dans l'atmosphère. Ceux qui ont réalisé le plus grand détecteur au monde de rayons cosmiques au sol, les initiateurs sont Cronin, Watson et Mura Boratov du LPNHE, malheureusement décédé il n'y a pas très longtemps. Vous les voyez tous les trois. Donc, ce détecteur est dans la Pampa, en Argentine. 1600 détecteurs sur une grille de 1,5 km, c'est-à-dire 1600 km, 3000 km², avec en plus des détecteurs de fluorescence, des détecteurs au sol, des détecteurs de gerbes. Cet ensemble a permis de détecter avec une très grande précision la fin du spectre des rayons cosmiques chargés. Protons ou noyaux, on ne sait pas très bien encore. Et vous voyez le fameux GZK cutoff, c'est-à-dire la suppression due au fait que les protons du cosmos interagissent avec le rayonnement fossile en faisant des pions chargés. Au départ, on avait cru, c'était d'ailleurs la motivation de cette expérience, qu'il n'y avait pas ce cutoff. C'était ce qui était indiqué à l'époque par Agassa dans les années 80, et c'est ce qui a motivé ces expériences. Bon, ça permet d'aller au-delà, d'avoir dans le centre de masse des énergies plus grandes que les accélérateurs. Hein, vous le voyez ici. Auger atteint une physique au-delà de ce qu'on peut faire avec le LHC. Et donc, il y a une certaine complémentarité. Là, vous voyez la section efficace proton-proton qui est déduite des mesures de Auger par rapport aux sections efficaces au LHC. Et donc, on voit qu'il y a une montée des sections efficaces qui a l'air d'être confirmée à encore plus haute énergie. Mais une complémentarité entre les rayons cosmiques de Auger et le LHC parce que les modélisations se nourrissent les uns des autres. En particulier, il semble qu'il y ait un excès de muons observé au sol dans les gerbes de très haute énergie de Auger, et on a besoin de savoir dans les modélisations s'inspirer de la présence de sources de muons liées au modèle de collision de très haute énergie. Est-ce qu'on sous-estime la production de saveurs lourdes comme le B ou le charme, la beauté ou le charme dans ces gerbes de très haute énergie? Ou bien est-ce qu'il y a des nouvelles particules? Donc, pour comprendre cet excès de muons, les gens du LHC et les gens de Auger travaillent ensemble. Donc, comme je vous l'ai dit, on voit bien la coupure. Ceci dit, on se demande si la coupure est vraiment due au mécanisme que j'ai indiqué ou si ce n'est pas dû au fait qu'il n'y a plus d'accélération dans les sources, parce que ce cutoff dépend si c'est des protons ou si c'est des noyaux lourds. Auger a l'air de dire que c'est plutôt des noyaux lourds, auquel cas le cutoff serait plus loin que ce qui est indiqué par la courbe en noir. Si c'est des protons, par contre, ça colle parfaitement. L'autre détecteur qui est aux États-Unis, Télescope Array, par contre, a l'air de dire que c'est des protons, donc la question est toujours débattue. Donc, il faut mieux connaître la composition en masse de ces rayons cosmiques de la plus haute énergie. Est-ce que c'est du fer? Est-ce que c'est des protons? Ou quelque chose d'intermédiaire? Est-ce que ces rayons cosmiques, qui sont très, très énergiques et donc peu déviés par les champs magnétiques, même si c'est des noyaux, est-ce qu'ils pointent vers des sources? Le télescope Array a une indication de hotspot à 5 sigma ou 3 sigma, si on tient compte du nombre d'essais qu'ils font, ici, dans l'hémisphère nord, et Auger a un excès dans l'hémisphère sud. Ça reste à confirmer. Voilà, donc on est là aussi à un turning point. Est-ce que ces expériences vont s'améliorer, vont continuer et éclaircir tout ça? On peut l'espérer. Et je termine par le dernier volet qui sont les ondes gravitationnelles. Donc là, évidemment, le pionnier, c'est Albert Einstein avec la relativité générale. Les premières expériences pour essayer de voir les ondes gravitationnelles, c'est avec des systèmes de barres supraconductrices. Des cylindres, c'est Joe Weber en 58. Mais vous savez tous qu'en Europe, c'est Virgo qui a donné le grand démarrage.
grâce à un rapport du comité présidé par Patrick Fleury en 90, le feu vert a été donné au CNRS et à l'INFN pour lancer ce projet avec des bras laser de 3 km de long qui interfèrent vers Pise. Et ces interférences permettent d'être sensibles à des coalescences d'objets stellaires jusqu'à des distances de centaines de mégaparsecs. Alain Brier a joué un rôle aussi très important en France pour la faisabilité. Michel Davy aussi à Orsay a joué un rôle important. Benoît Mours à Annecy a joué un rôle très important. Donc l'état actuel, et bien sûr les Américains étaient sur le coup. L'état actuel, c'est qu'on a LIGO avec deux bras aux États-Unis, deux détecteurs, deux interféromètres aux États-Unis de 4 km pour chaque bras, un sur la côte ouest, un sur la côte est. En Europe, donc, on a Virgo avec 3 km et on a Hanovre avec 600 mètres. Au Japon, il y a un détecteur de 300 mètres qui est supra. Et pour le futur, on s'attend à avoir en plus LIGO en Inde et peut-être aussi un LIGO en Australie. Donc, comme vous savez, le coup de tonnerre, ça a été en 2017, je crois, l'observation de coalescence de trous noirs de plusieurs dizaines de masses solaires, faisant des trous noirs encore plus gros. Et l'exploit final a été couronné par la vue de la coalescence de deux étoiles à neutrons fabriquant un trou noir. Et cette coalescence de deux étoiles à neutrons fabriquant un trou noir a été vue dans un tas de longueurs d'onde. Donc là, on est vraiment dans l'astronomie multimessager et est liée à ce qu'on peut appeler une hypernovée, enfin, on l'a vu en gamma ray, en infrarouge, en un tas de longueurs d'onde. Ça donnait un papier avec 3600 hauteurs, je crois que ça bat les expériences à lâcher. Donc, une petite parenthèse avant de faire les conclusions finales. Évidemment, en voyant tous ces événements de LIGO Virgo comme des connaissances de trous noirs de quelques dizaines de masses solaires, on ne s'attendait pas du tout à ça. On s'attendait aux connaissances d'étoiles à neutrons, mais pas aux connaissances de trous noirs. D'abord, c'est un excellent laboratoire pour le test de la relativité générale, parce que les trous noirs sont des objets élémentaires, si on peut dire, il n'y a pas de structure, c'est un trou noir, point final, c'est comme une particule élémentaire, mais plus massive. On se demandait si ces trous noirs ne pourraient pas être la matière noire dans l'univers. J'ai oublié de dire que tous les détecteurs de rayons cosmiques de haute énergie cherchent aussi l'annihilation de matière noire en particules d'autres énergies provenant du centre de la Terre ou du centre du Soleil, car on s'attend à ce que les particules de matière noire très lourdes s'accumulent au centre des étoiles et s'annihilent au centre des étoiles. Et on n'a rien observé jusqu'à aujourd'hui, c'est une motivation pour continuer. Mais là, on est dans un autre cas. Est-ce que ça ne peut pas être des trous noirs qui constituent la matière noire dans l'univers? Donc, très récemment, la collaboration EROS, en combinant ces données avec MACHO, a pu montrer que la matière noire dans le halo de notre galaxie ne peut pas être faite d'objets de compacts de masse entre 10^6 et 10^3 et 1000 masses solaires. Or, la matière noire, on s'attend à ce qu'elle constitue le halo des galaxies, et donc le halo de notre galaxie. Ça, c'est Vera Rubin qui l'a montré, c'est que les halos de galaxies sont constitués de matière noire. Vous la voyez ici. Et comment marchent ces expériences EROS? C'est également indirect, si on peut dire. Le principe, c'est d'observer des millions d'étoiles dans le nuage de Magellan. Donc, j'ai participé à cette expérience pendant un bon moment avec EROS. Et de regarder la possibilité qu'on ait des alignements entre nous, un objet compact, qui peut être justement un trou noir, dans le halo de notre galaxie, et une des étoiles, des millions d'étoiles que l'on suit. Et si cet alignement dure assez longtemps, ça veut dire que l'objet est très massif. Plus ça dure longtemps, plus il est massif. Et c'est comme on n'en a pas observé, on a pu exclure jusqu'à 10^3 masse solaire. Donc c'est la thèse de Tristan Blénaud et le directeur de thèse est Marc Monnier. Je crois qu'il y a un papier qui est en train d'être préparé. Et donc ça exclut, c'est un résultat très important, même s'il est négatif, ça exclut que la matière noire soit faite de trous noirs, semble-t-il, ni d'objets stellaires compacts et invisibles qui seraient entre 10^6 et 1000 masses solaires.
Par ailleurs, on exclut maintenant la possibilité que ce soit des particules élémentaires entre quelques centaines de MeV et un TeV, pratiquement, un téraélectronvolt. Donc, soit ce sont des particules très légères, soit ce sont des particules très, très lourdes, et c'est toujours l'objet de recherche. Le futur pour les ondes gravitationnelles, c'est la troisième génération, c'est des bras cryogéniques. Il y a le projet Einstein en Europe, ou bien des bras beaucoup, 10 fois plus longs, c'est le projet Cosmic Explorer aux États-Unis. Donc, encore une fois, on voit qu'on est à la naissance de l'astronomie multimessager, avec d'une part les ondes gravitationnelles et d'autre part les neutrinos qui semblent indiquer des sources ponctuelles. Donc, tout ça va se développer, hein, je ne vais pas trop détailler. CTA sera le prochain objectif. Les neutrinos vont aller vers le PEV et ouvrir probablement une astronomie du PEV. Les rayons cosmiques chargés, proton ou fer, on saura bientôt si c'est du proton ou du fer ou entre les deux, et comprendre l'excès de muons et la source du cutoff. Les ondes gravitationnelles vont nous faire entrer dans une nouvelle ère aussi d'observation d'objets très violents, de phénomènes très violents dans l'univers. Et l'approche multimessager va se développer de plus en plus. C'est l'approche qui est nécessaire pour comprendre les phénomènes les plus violents dans l'univers, à part le Big Bang. Quelques traits de cette astronomie multimessager. Elle est collaborative, comme vous l'avez vu, c'est des grandes collaborations, innovative, beaucoup d'idées de nouveaux instruments, très stimulante, à l'œuvre la compétition, c'est-à-dire la combinaison entre collaboration et compétition. C'est bien sûr, il y a un esprit d'observation, c'est-à-dire diversité d'objets dans l'univers, et en même temps chercher des explications qui unifient classes d'objets et comprendre les processus. Elle est guidée par la curiosité, mais le hasard joue un rôle, je l'ai dit, avec la nébuleuse du crabe et la recherche de Sinus X3. C'est le propre de la recherche guidée par la curiosité. C'est un domaine fascinant, très audacieux, très inclusif. Les pays en développement sont très participants, d'abord parce que les lieux sont souvent dans ces pays-là. Et je pense qu'il y a une bonne parité, femmes-hommes, et très participatif. Donc, comme je l'ai dit, beaucoup de jeunes, les communautés locales sont aussi très, très fières d'abriter des observatoires. Interdisciplinaires, riches en découvertes, qui peuvent être parfois disruptives. Et donc, ça me permet de mettre un point final à ma présentation. Ces jours-ci, j'espère bien, donc ça c'est une activité que je mène en ce moment, que l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable en 2022, que je promeux depuis 5 ans, j'espère bien qu'elle va être proclamée dans les jours qui viennent par l'Assemblée générale des Nations unies. Et sa motivation principale, c'est justement long-term curiosity-driven sciences, c'est-à-dire les sciences qui sont guidées par la curiosité et qui sont poursuivies sur le long terme comme source de connaissances, de découvertes disruptives et d'applications pour les générations futures. Et je pense que l'astroparticule peut en être un exemple. Cette année internationale est portée par IUPAP, l'Union internationale des physiciens, que je préside. Elle a déjà été recommandée par l'UNESCO. Et donc, l'approbation, si j'espère bien, sera avant la fin de ce mois, ou au début du mois de décembre. Et voilà, je vous remercie bien. Merci, Michel. Alors là, il va falloir que je jongle. Oui, voilà, il faut que tu t'occupes du micro et moi je regarde. Tu t'occupes des gens à distance. Oui, mais... on a une question dans la salle, là, pour l'instant. Michel, présente-toi. J'ai pas très... Présente-toi, parce que les gens... Ah, Daniel Delégri, CNRS, CEA, ils font ça comme ça. J'ai pas très bien compris ce que tu as dit, c'était tes plots entre 58 et 60. Sur la fin du spectre aux énergies maximum des rayons cosmiques, entre 10 puissance 19 et 10 puissance 21 électronvolts. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est dû à des protons-protons
ou est-ce qu'il y avait des plots qui montraient que la fraction de fer augmentait très rapidement et qu'au bout de course, ça pourrait être du fer? Où est-ce qu'on en est là? Parce que ah, ça oui. jouerait sur les sources et sur les... Oui, tu as raison. Donc là, la fin du spectre, je te la montre ici. Si c'est des protons, tout colle bien. C'est-à-dire que ce cutoff est dû aux protons qui interagissent sur le fond diffus de gamma, c'est-à-dire proton gamma. Oui, c'est ça. Proton gamma donne des deltas, c'est-à-dire proton pi plus, proton pi 0 gamma, ou bien neutron pi plus gamma. Neutron pi plus. Proton gamma donne proton pi 0 ou neutron pi plus. Donc ça, ça serait ça, là. Ça colle très bien. Le problème, c'est que lorsqu'ils observent la quantité de muons qu'il y a dans ces gerbes, elle excède ce qu'on attend. Et ça serait un signe pour dire que c'est plutôt des noyaux que des protons. Alors, si c'est des noyaux, le cutoff serait plus loin. Donc, à ce moment-là, ça voudrait dire que la source, que ce cutoff est dû au fait que la source n'a plus d'énergie pour accélérer. Et ça s'arrête là. Mais donc, est-ce qu'on va arriver à déterminer? Le problème, c'est qu'à ces énergies-là, on ne connaît pas le mécanisme de... Est-ce que les Monte Carlo sont ajustés sur le LHC? On extrapole par 4 ordres de grandeur. Est-ce qu'on sous-estime le nombre de muons ou pas? Donc, soit c'est un excès de muons et c'est des protons, soit c'est des noyaux et il n'y a pas d'excès de muons. Et bon. Donc, c'est controversé. Et en plus, la mesure, même les mesures sont controversées sur l'excès de muons entre le télescope Array qui est aux États-Unis et OG qui est en Argentine. Ah, donc, le domaine est toujours controversé. Ça fait partie des recherches. Des problèmes. Okay. Merci. Et c'est un sujet important. C'est un sujet très important. Et comme je l'ai dit, hein, cette coupure, c'est une source de neutrinos à très haute énergie, puisque tu fais des pi plus qui vont donner des neutrinos. Je continue dans la salle. Maurice, présente-toi. Ah oui, Maurice Chapelier, le grand-père d'Edelweiss. Spécialiste de l'hélium 3, non? Voilà. Dans les modèles du fond cosmologique, les gens disent que ça marche assez bien avec les oscillations. Avec 5% de matière baryonique et puis le reste énergie noire de matière noire. Et ma question à toi était, est-ce que les trous noirs, c'est de la matière baryonique? Alors, si on veut que les trous noirs fassent le halo des galaxies, le halo des galaxies excède les 5% de matière baryonique. Donc, il faut que ce soit des trous noirs qui ne soient pas baryoniques, donc qui ne soient pas produits par la coalescence d'étoiles, mais qui soient des trous noirs primordiaux, faits au tout début, avant que les baryons soient, avant que les protons et les neutrons soient formés. Donc, il faut effectivement, si on imagine que la matière noire des halos est due à des trous noirs, il faut un mécanisme de production de trous noirs primordiaux. Bon, alors, comment les faire? Ça peut être... des particules élémentaires qui fabriquent des trous noirs avant même les trois premières minutes, avant même la première microseconde où se fabriquent les protons et les neutrons. Jacques Lefrançois, CNRS. Sur cette slide que tu viens de montrer, tu as dit que si c'était les noyaux, ça serait plus haut en énergie. Et il y a une manière facile de comprendre ça, parce que moi, j'aurais imaginé qu'un noyau, ça prend à peu près 20 MeV pour le casser, alors qu'un proton, pour lui faire donner un pi, il faut 200 MeV, quelque chose comme ça, 300 MeV. Et donc, pourquoi est-ce que ce n'est pas plutôt à plus basse énergie, la coupure? Je me suis posé la même question en arrivant. Je n'ai pas la réponse complètement. Je pense qu'il faut revoir... si c'est des noyaux, tu ne vas pas avoir la même quantité de particules au sol. Donc, je ne sais pas si l'énergie, c'est peut-être l'échelle en énergie qu'il faut revoir. Peut-être que Gérard a la réponse. C'est peut-être l'échelle en énergie qui change à ce moment-là. Oui, j'ai une explication à proposer qui est assez simple, me semble-t-il. C'est que c'est des phénomènes au niveau du noyau qui ne sont pas cohérents. Donc, un noyau de haute énergie, il est formé de N nucléons qui sont de plus basse énergie. Et il faut que le nucléon qui interagit avec le gamma atteigne le seuil de ZK. Et donc, le noyau a une énergie plus grande que le proton.
fait un photon qui, dans le centre de masse gamma noyau, fait 20 MeV, ton noyau, ce n'est plus un noyau, il a disparu. Il fait plus, c'est plus un alpha, c'est plus un, il est cassé en protons. Bon, moi, j'ai pas la réponse. Je me suis posé la même question en venant, et j'ai pas la réponse. C'est une réaction gamma nucléon, gamma noyau donne casser le noyau. Hein. La physique nucléaire, c'est pas ma spécialité, mais ça existe. Proton, photon, ça donne un delta 1238, le fameux delta. Voilà. Beaucoup plus haute énergie que gamma noyau donne multi-proton et neutron. Je suis spécialiste de physique. Moi, j'avais un petit peu une question sur l'avenir. Donc, tu as parlé à la fin aussi beaucoup des ondes gravitationnelles. Et donc, est-ce que ça signifie qu'il va y avoir, bon, ça semble vraiment une technique d'avenir pour revoir beaucoup de choses, est-ce qu'il va y avoir des très gros projets mondiaux à des échelles de plusieurs dizaines d'années? Comment est-ce que ça se construit? Est-ce que du coup, ça réoriente aussi certaines recherches qui vont peut-être se basculer de certains domaines vers d'autres, hein? Oui, alors d'abord, effectivement, c'est un domaine qui est en pleine explosion. Maintenant, il doit y avoir, je ne sais pas combien, une centaine de connaissances de détection de gravitationnelle. Donc, le futur, il continue d'abord à améliorer la sensibilité de Virgo et de LIGO. Sinon, les deux breakthroughs, il y en a un qui n'est pas vraiment un breakthrough, qui serait d'avoir des bras de 40 km au lieu de 4 km. Donc, ça te permet normalement, si tu maîtrises les bruits, d'aller à une sensibilité plus grande. Et l'autre, c'est de combattre le bruit thermique en ayant des antennes, des miroirs supraconducteurs. C'est les miroirs qui doivent être supraconducteurs, de sorte que tu diminues le bruit thermique et à basse fréquence, tu diminues pas mal le bruit et tu peux être plus sensible. Et donc, chaque fois que tu gagnes un facteur 10 en sensibilité, ta détection te permet d'aller 10 fois plus loin. Et donc, tu gagnes un facteur 1000 en volume d'objets que tu vas détecter. Donc, un facteur 10, c'est un facteur 1000 en statistique. Donc, on a l'impression que de 4 à 40 km, ce n'est pas grand-chose. S'il gagne vraiment un facteur 10, il gagne un facteur 1000. Même chose pour le bruit thermique. Donc, c'est ça l'avenir. L'Europe est très active sur ce projet Einstein. Et je pense que les Américains sont très actifs sur le projet 4 à 40 km. Bon, Michel, là, c'est ton masque, comme ça on l'entend. Oui, Maurice Chapelier, un des grands-pères d'Edelweiss. Ancien CEA et maintenant IJC Lab, où je suis bénévole. La situation est difficile des bénévoles dans des grands labos. Alors, c'est ton sentiment que je voudrais avoir. Quand vous êtes venu me chercher, moi qui étais physicien des solides, pour faire des détecteurs de matière noire, les théoriciens de l'époque disaient « mais c'est clair, la matière noire, c'est la supersymétrie, et d'ailleurs, on ne sait pas si c'est vous ou si c'est le LHC qui va trouver ça d'abord. Le LHC n'a rien vu, nous n'avons rien vu. On a été battu maintenant par le liquide noble qui continue. Et mon impression est que les nouvelles théories, est-ce que c'est se mettre sous le lampadaire parce que c'est là où on va regarder? Ou bien, comment est-ce que tu jauges la supersymétrie versus les nouvelles théories de matière noire légère? C'est vrai que l'exclusion de particules de matière noire ou de supersymétrie jusqu'à OTEV, on pourrait toujours dire que ça peut être plus lourd, 10 TeV, 100 TeV, mais ça devient quand même un petit peu artificiel parce que l'échelle naturelle de la supersymétrie, c'était quand même jusqu'au TeV. Alors, on peut dire peut-être que la nature est un peu tricky, un peu compliquée, et c'est peut-être à plus haute énergie. Mais quand même, on est mal à l'aise avec une supersymétrie au-delà du TeV. Malgré tout, il faut quand même regarder si ça ne peut pas être des particules très très lourdes. Donc c'est pour ça que c'est une des motivations pour aller à des énergies plus grandes que le LHC, et c'est une motivation pour aller chercher des particules très lourdes dans l'univers. Mais en même temps, il y a des théories du coup, qui imaginent d'autres
des alternatives qui vont au-delà du consensus qui était effectivement qui était la supersymétrie, au-delà de ce consensus. Donc il y a des théories populaires en ce moment qui sont tout ce qu'on appelle les axions, qui sont des particules très 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 légères. Alors cette fois-ci, on est dans les 10.6 électronvolts. Il y a des gens ici qui travaillent dessus. Les axions auraient l'avantage de... Donc ça serait des condensats d'actions dans l'univers. L'action est une particule qui est invoquée pour comprendre pourquoi il n'y a pas de... Dans les interactions fortes, la violation de CP n'a pas lieu dans les interactions fortes. Certains théoriciens des particules aiment bien cette particule-là. Les condensats sont également populaires. Il y a des articles sur les condensats de gluons, par exemple. Est-ce que ça peut être un matériau? Donc, mais on sort un peu quand même des sentiers battus du modèle standard aussi. Donc entre les deux, moi je suis incapable de dire, peut-être que c'est complètement faux tout ça. Il y a également ceux qui pensent que la matière noire, il y a quelque chose qui ne colle pas là-dedans et de plus fondamental et qu'elle n'est pas là. Mais je ne suis pas prophète, hein, vraiment je ne suis pas prophète. Oui, Michel, c'est une question de Jacques Kaczynski sur le chat qui dit tu n'as pas parlé de LISA. Alors, c'est effectivement un projet. Alors, pourquoi je n'ai pas parlé de LISA, ben effectivement, je peux plus parler de tout. Donc, LISA, c'est un projet d'interféromètre 5 millions de kilomètres dans l'espace qui lui sera plutôt dédié à l'astronomie plus standard, c'est-à-dire voir des binaires. Les fréquences sont beaucoup plus basses que ces complémentaires des ondes gravitationnelles au sol. Les ondes gravitationnelles au sol vont de quelques hertz ou kilohertz. LISA va aller vers les 10.4 Hz. Donc là, ils peuvent voir des binaires standards d'astronomie, des binaires d'une étoile géante avec une étoile autour, des binaires d'étoiles, et donc de faire de l'astronomie de tous les systèmes binaires. C'est vraiment de l'astronomie, je peux dire, presque pas conventionnelle, mais c'est l'astronomie des objets que l'on connaît en binaire. Alors, je ne voudrais pas être négatif parce qu'ils peuvent être sensibles éventuellement aux fonds diffus donc gravitationnels liés à l'inflation, ce que les antennes au sol pourraient difficilement être sensibles. Les antennes au sol, par contre, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elles vont chercher les mêmes objets qu'on regarde avec les rayons cosmiques de la plus haute énergie, avec les gamma rays de très haute énergie, donc c'est les coalescences d'étoiles à neutrons, les coalescences de trous noirs, les trous noirs avec des étoiles à neutrons. Donc on rentre vraiment dans... C'est complémentaire de cette astronomie multimessager très haute énergie. LISA n'est pas vraiment orienté vers les objets de la plus haute énergie. Mais peut-être que je me trompe. Oui, Gérard Fontaine, si je peux apporter une précision supplémentaire à propos de LISA, c'est qu'en étant sensible aux fréquences plus basses des ondes gravitationnelles, LISA aura la possibilité de voir, entre guillemets, arriver la coalescence plusieurs jours ou semaines avant la coalescence elle-même. Et donc, pour l'observation multimessager, ça permettra d'anticiper et de braquer tous les instruments disponibles vers l'objet avant que la coalescence se produise, parce qu'actuellement, les détecteurs d'ondes gravitationnelles ne détectent que les dernières secondes de l'événement, non, et donc l'alerte arrive un peu tardive. Je suis d'accord, je regrette de ne pas avoir mis LISA dans le paysage. Effectivement, c'est une erreur de ma part. Bon, ben, donc, on dit vraiment un grand merci à Michel, c'était vraiment, vraiment passionnant. Et donc, à vous tous, merci d'être venus et puis à rendez-vous au mois de janvier pour la suite des séminaires de la Société française de physique.